Oui, elle a fait beaucoup de bien dans les têtes. C'était un match en jeu pour nous, même s'il reste un peu de temps quand même. Il était mieux pour nous quand même de l'emporter, sinon on commençait à s'éloigner vraiment de l'opportunité de pouvoir se maintenir. Donc il y avait un peu de tension, mais j'ai trouvé que les joueurs étaient plutôt détendus. Alors, on avait un petit passage compliqué, mais dans le troisième carton. Mais on n'a pas lâché, comme on l'a fait depuis un moment déjà. Et donc on a été récompensé. Donc pour les garçons, c'est bien. Alors ça, on va le découvrir, parce qu'on n'a jamais joué avec cette équipe-là dans une salle très très chaude pour l'instant. Il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Donc eux, je pense qu'ils ne sentent pas autant la pression que peuvent sentir les anciens qui sont là depuis un certain temps. Comment ils vont appréhender le match vis-à-vis de l'ambiance, ça, on va le découvrir comme eux, mais comme pour nous, hein, parce qu'on n'a jamais joué là-bas, donc on verra ce que ça va donner. Le public, il est toujours important quand l'équipe elle est dans un moment un petit peu de doute. Je parle de notre équipe à l'extérieur, où si on n'a pas les reins solides, on peut se laisser emporter par le public. Donc oui, c'est quand même important, il faut être capable de faire face à ça. Le Portail, c'est une équipe qui a été construite avec pas mal de joueurs revanchards, c'est peut-être pas le bon terme, mais de joueurs qui avaient envie de prouver. Aujourd'hui, ils sont dans une très bonne dynamique. Ils sont plutôt complets. Tous les postes sont doublés. Donc c'est une belle équipe, le Portail. Une belle équipe. La première chose, c'est que sur un match à l'extérieur, il faut qu'on contrôle notre gestion de balle, il faut qu'elle soit très correcte. On l'a fait contre Nancy, on a perdu un peu moins de ballons que d'habitude, donc à l'extérieur, c'est encore plus important. Il faut qu'on tienne défensivement, parce qu'ils ont un ou deux joueurs quand même qui ont des vraies qualités dans le 1 contre 1, je pense notamment au meneur de jeu, Dorsey. Alors, c'est pas le même registre que Brian Rush de Nancy, mais c'est pour nous aussi un joueur qu'il fallait tenir, on l'a fait à peu près. Il faut qu'on réitère cette performance-là au Portail. Et puis la troisième chose, c'est comment va s'acclimater Nemanja. Il a fait un très bon match la semaine dernière. On va voir cette semaine, avec une semaine de travail en plus, comment ça va se passer.